chevalier, qu'avez-vous appris du baron des eaux ? Il est fidèle à sa réputation, mais pas à sa parole. Notre monarque a permis votre passage vers la cité des morts. Ok, qui cool. Qui dois-je chercher dans la cité des morts ? Inquiétez-vous plutôt de celui qui vous cherche. Chancelier, répondez à ma question. C'est plus drôle si je ne vous dis rien. Alors taisez-vous. Je surveillerai mes arrières si j'étais vous. Très intéressant. Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour la combien 23e partie de Dark Siders 2. J'en enregistre plusieurs à la suite, donc si je me suis trompé au numéro juste avant, ben je me trompe encore maintenant. Qu'est-ce qui m'attend là-bas ? Qu'est-ce qui m'attend dans la cité des morts ? Cadavre mis à part. Une chose bien plus précieuse que la chair et les os. Des âmes, issues de tous les royaumes de la création. Là-bas, elles sont lavées de leurs péchés pour pouvoir renaître à travers le puits. Beaucoup ne survivent pas à cette purification. Certaines perdent la raison. Quelques-unes parviennent même à s'échapper. Ah ah. Séparation de l'âme. Oh. Le baron des eaux a examiné l'âme de Death et débloqué un potentiel caché auparavant. Death peut désormais séparer son esprit en deux parties, pouvant être déplacé et contrôlé séparément de sa forme physique, qui se pétrifie et devient quasiment invulnérable. Excellent ! Mais c'est excellent ça, c'est excellent, 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 excellent. On rentre tout de suite dans la cité des morts. Il va y avoir beaucoup de choses à faire là-dedans, hein. Beaucoup de choses à faire là-dedans. À la limite, pourquoi pas. Alors, il va falloir séparer notre âme pour rentrer. Oui, je sais, je sais, je sais. Le jeu m'explique, mais je sais, merci. Séparation de l'âme. On est beau là, tous les trois. Hein, que je suis beau tous les trois ici. Ah là 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 là. Une partie d'âme qui va drainer ça et le mettre là. Le truc, voyez-vous, c'est que si je relâche, il s'en va. Je veux le rattraper. Il faut maintenir les deux. Donc, tout. Toi, tu t'ouvres. Autre morceau d'âme. Touk. Et voilà. Et donc la porte s'ouvre. Très bien, n'est-ce pas? Et on annule. Voilà. Nous pouvons rentrer dans la cité des morts. Il va y avoir un paquet de trucs à récupérer, bon Dieu. Un paquet de trucs. Alors si je compte là le nombre d'objets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objets dans cette zone, c'est énorme. C'est énorme. Allons-y. Allons-y, allons-y. Cité des morts. Donc il faut s'attendre à avoir un paquet de squelettes. De scarabées morts. Et encore ces saletés, elles sont encore là. Mais bon, faut faire avec. Rien par là, ça c'est pas vraiment une porte. Il y a un coffre ici. Cool. Les bottes et plein d'or. Voilà. On utilise un peu les crocs d'Akinda. Il va falloir s'amuser avec, hein. Bonjour messieurs. Une page, merci. Ça me fait 22 pages. Elle augmente bien ma santé, hein. Regardez, je vais laisser me taper un peu, histoire de baisser ma santé. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu, allez. Et comment t'as fait pour me louper? Voilà, assez fait.
méfiant. Exécution. Voilà. D'où tu me tapes? Hop là. Eh, pète pas les piliers, c'est fragile comme structure. Ok. Alors, qui doit te blesser? Les ghouls ou moi? T'as le choix, hein? Aïe! C'est bon. Ah. C'est bon. Alors. Accéder à ce bouton. Ok. D'accord, donc j'ai loupé un truc. Mieux. Oui, la statue peut servir pour maintenir un bouton actif. Voilà, comme ça, là, on va pouvoir grimper. Voilà. Voilà. Et tada. Voilà. Très bien. Maintenant. On va devoir fouiller tout cet endroit à la recherche de quelqu'un qui sait comment accéder au puits des âmes. Mmh. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Renagote. Bien. Alors, ensuite. ensuite. Ben, on n'a pas 36 passages. Hein. Là, c'est une porte verrouillée, donc c'est vite vu. Là, il y a des petits squelettes lumineux. L'hôte. Ok. Là, un autre. Ok. Hop là. Ça, c'est fait. Et ici, si proche et si loin à la fois. Espèce de saleté. Bon. Je suppose qu'il faut passer par là, vu que c'est le seul chemin disponible. Voilà. Un ennemi ou ça? Oh, oh, on peut grimper ici. Yeah. Mais où est-ce que ça nous emmène donc? D'accord. Où est-ce que ça nous emmène donc? Attends voir. Attends voir les objets. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. D'accord. D'accord. Ouais, bon, c'est vite vu. Sûrement le chemin du retour. Seulement le. Sûrement le chemin du retour. Ce qui fait que moi ça m'est pas très utile pour l'instant. Pognon. C'est quoi ça? Ah, décor. D'accord. Ouais, non, tu sers à rien, toi. Tu sers à rien. You. Alors. Alors, tu n'as pas de lampe. C'est très dommage. C'est très dommage, ça, dis donc. Pourquoi t'as pas de lampe? Pourquoi t'as pas de lanterne, mon gars? Cool.
objet unique. Je veux. Vulgrim vous a laissé un cadeau. Consultez la... Ah, j'imagine que j'ai mon inventaire plein. C'est ça? Eh ouais, c'est ça. Ah, fumier. Donc, c'est Vulgrim qui me l'a laissé. D'accord. Bon, bah, cool. Cool, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Toi, tu ne sers à rien. Je vais te virer. Jeter. Moi, j'ai quoi de nouveau? La merde. Et une relique. Ok. Et j'ai un point à donner. J'ai un point à donner. Chance de gel de 2%. Si on peut en plus congeler les ennemis, c'est bonheur. C'est bonheur, c'est bonheur. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Admettons. Alors admettons que. C'est dans l'autre sens. Admettons que j'ouvre ça. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là je peux pas faire grand chose. Je peux pas grimper. Je peux pas faire quoi que ce soit. Bon. Notre âme. Ouvrons cette porte. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pop, pop, pop. Ah! Très bien ça. Très bien ça. Viens là. Viens là, viens là. Hop. Active ça. Ah, très bien. Très bien. Je sais comment passer de l'autre côté maintenant. Ah. Hop là. Doucement, doucement. Tac, tac, tac. Oui. Et ben voilà. Quitte à faire. Hop là, laisse-moi passer. Laisse-moi passer moi-même. Ça devient ça quoi, les discussions. Laisse-moi passer moi, hein, quoi. Voilà. Ensuite. J'oublie rien au fait de ce côté-là. Non. Non, non, j'oublie rien. Je préfère m'en assurer, hein. Ce serait con d'oublier un objet et de devoir revenir là perpète de temps après. Hein. Avouez-le, ce serait con. Tu penses pouvoir me faire mal, c'est une illusion. Toujours une illusion. Du matos, bien. C'est pas ces trucs-là qui représentent un réel danger. Hein. On va pas se leurrer. Descendons. Vers un coffre de plus. Merci. C'est bien. Ah, bien. Hop là. Merci. La clé squelette. Excellent. Hop. Alors, à ceux qui se demanderaient, je ne peux pas passer à travers les grilles en séparation d'armes. Ce serait très pratique, mais je peux pas. Il y en a qui pourraient se le demander hein, à cause du truc là qu'on avait avant qui permettait de donner des ordres aux fantômes et eux pouvaient le faire. Nous, on ne peut pas. Donc, voilà, c'est juste pour
clarifier ça. Même si personne ne se posait la question. Alors. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon. Essayons. Hop. Essayons. C'est un peu ça, hein, l'idée. Essayons, je ne sais quoi. Je sais pas ce qu'on doit essayer, mais essayons-le. Allez, grimpe. Grimpe, fais pas chier. Merci. Mais aïe, merci. Hop. Y'a rien sur la statue. Non. Y'a rien là après ce trou. Si. Ah. 23ème page. Alors, à toi. Toi, à quoi sers-tu donc? Ouais. Ok. Admettons que je me mette là. Faut savoir, on a une distance limite, hein, dans la séparation d'âme. On ne peut pas aller aussi loin qu'on veut. Après une certaine distance, il y a l'écran qui ondule, et si tu continues de t'éloigner, ça te réunit automatiquement en un seul corps. Allez, hop, saute. C'est bon. Donc le bon placement de notre corps physique est primordial. Hop. Parce que pourquoi pas. Si j'essaye d'aller là-bas, je peux ouvrir le coffre. Je peux activer ça également. Très bien. Très bien, ça, très très bien. Et qu'on pourra récupérer la torche. Enfin, la torche, la lanterne, pardon. Et là, on peut grimper là-haut. Pourquoi donc y faire? Pour traverser. Et ouvrir ce coffre là. Bon, bah d'accord. Ça va, c'est bon. Reviens là. La porte en face est verrouillée. Donc, OZEF. Et là, on a fait ce qu'il fallait. Juste une vérif. J'étais là-dessus, je passais par le trou. Ouais, je retombais là. Ok. On va juste vérifier ça. Le petit trou dans le sol que j'avais contourné pour. Comment? Ah. Je me comprends. Pour rattraper la page. Voilà. J'ai la lanterne. On peut taper avec la lanterne? Il semblerait que non. Excusez-moi, messieurs. Livraison de lanterne. Aïe, ça fait mal. Livraison de lanterne. Où c'est vous? Ah, oui. Pose de lanterne. Ils m'ont suivi? Ils m'ont pas suivi. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Lanterne dans le retour. Non. Je veux lui mettre dans la main. Voilà. C'est mieux. Et de ce côté. Pour commencer. Ça, on peut récupérer une autre page. Ah, 24ème page. C'est pas mal du tout, hein. Allez, hop. Très joli, ce système de pont. Très artistique, hein. Faut oser faire ça comme pont. Faut oser. Je regarde la liste.
Ok, super. Super, super. Admettons, ceux qui se demandent pourquoi je change tout le temps, que je prends toujours le flingue, même si je m'en sers pas, c'est simplement pour enlever la lueur qu'il y a sur le bras. Parce que je l'aime sans plus, voyez-vous. Je préfère rester nature. Si on peut dire. Yeah. Oui. Heureusement que on peut atteindre assez loin. Ok. Hop. Ninja. On descend. Et avec petit coffre en face. Tadam. Pognon. Plus de pognon. Ah, un pont en L. Quelle joie. Passer par là, d'accord. Je comptais espérer à la j'espérais échapper à la bestiole. Je comptais échapper. Ah. Et toi, méchante, méchante, méchante. Un autre. Il y en a un autre qui veut tâter de mes griffes ou de mes faux ou des deux. D'accord. On s'est loupé mutuellement. Vraiment mal non plus. Alors, nous avons ici une bombe de l'ombre. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que ça a enlevé la grille? De tuer la... Oui, ça a enlevé la grille. Très bien. Comme ça, je peux récupérer ça. Ben oui, écoutez, hein, le but c'est ça. Active le levier, tiens. Ah ah. Sauf que là je suis un peu baisé. Réactive le levier. Réactive le levier. On va se mettre sur le pont. Alors sur le pont, pourquoi pas au centre? Pour être bien au milieu de l'énigme. Alors, avec là, on va activer le levier. Comme ceci. D'accord. Ça sert à quoi? Aucune idée. Est-ce que je peux m'agripper à moi? Oui, je peux m'agripper à moi. Super. Ah, ça a peut-être ouvert ces grilles là. D'accord. D'accord. Et si je vais de ce côté? Si je vais de ce côté, ça fait mal. Ça fait mal. Ghoul. Oui, même quand je ne suis qu'une moitié de moi-même, je peux invoquer mes ghouls. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ah, ça ondule, l'écran ondule. Faut pas que je m'écarte trop. Faut pas que je m'écarte trop. Pas trop. Tu te tais. Tchouk. Clac. Décapitation. Bonne. Inutile de s'écarter trop pour faire ça. Et je veux le coffre. Vous voyez, ça ondule comme ça quand on s'éloigne. C'est assez désagréable, hein. C'est assez désagréable, mais bon. Oh, les... du lierre, là. Pourquoi faire? Ah, pour revenir au niveau de... Oui, d'accord. Ah, pour rattraper la pièce. Mais qu'est-ce que ça fout?
Histoire de dire. D'accord. Histoire de dire, disait. Eh oh, tu vas pas me gonfler, hein. Voilà. Ok. Et donc là, ben là, il me faut juste la bombe. La bombe. Bomba. Je récupère la bombe. Et on active ce machin. Hop. Comme ça, il ouvre la grille qui est juste devant. Eh ben, nickel. Nickel. Voilà. Je redeviens entier. Et je peux passer. C'est-il pas beau, ça, quand même? C'est-il pas beau? Et j'ai récupéré... Oups, j'ai récupéré... les deux pierres qu'il y avait ici. Ok. Le prochain objet, je verrai bien quand il est. Je pourrais difficilement le rater. Du moins, identifier le moment où il sera accessible. Toi, je t'active. Même si je ne sais pas à quoi tu sers pour l'instant. D'accord, tu ouvres ces deux accès-là. Celui-ci qui mène... Ah ah, j'ai reconnu. Et celui-ci... qui mène là au-dessus. Au-dessus de la salle principale. D'accord. Ok, je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Ben y a rien, y a pas grand chose à faire ici, dites-moi. Pas grand chose à faire ici. Suivante. Admettons. Oh, d'accord, je reconnais. D'accord, c'est là où il y avait le petit pont tournant. D'accord, maintenant la porte de droit devant est ouverte. Et on peut même passer par le petit trou. Sauf que ça bug méchamment. Ça y est. J'étais pas exactement au-dessus du trou. Ok, donc je tombais sur le sol là-haut. Ça marchait pas, il recommençait. J'ai juste eu à avancer le joystick, hein, c'était bon. Je suis content d'avoir pu résoudre ce micro-bug. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Une arène de combat. Ah si, cette dimension-là, ce genre d'endroit, c'est une arène de combat. Te fous pas de ma gueule, c'est une arène de combat. Contre trois gros pabots. J'en vois un là, un là, un là. Ouais. Ça, c'était... imaginé. Ça, par contre, c'était pas prévu. Ça, par contre, c'était pas prévu. Je sais que j'ai la forme de cavalier, je m'en servirai contre les géants. Oh, bon. Carbo! D'où t'espères me faire mal? Et hop là! Décapitation! C'est bon, les exécutions. Merde, un général. Un général fantôme. Fuck. Non, ne tuez pas le cavalier. Il est gentil, le cavalier. Ne le tuez pas. Ok, plus que toi. Viens. Et tiens aussi. T'es le seul ennemi du coin. Va te faire les pieds. Il arrive à me bloquer par le dos, comment il est trop fort. Comment t'es trop soigne. Loupé. D'accord. Loupé. D'accord. Copain. Loupé. Exécution. Tiens. Bouclier. Cassé. Empalé.
Voilà comment on fait. Voilà comment on pleure. Alors. Ouais. Je sais. Persécuteur. Je sais que ça lui fait pas des masses de dégâts. Ça remplit mon courroux. Pas qu'un peu d'ailleurs. Oula, oula! Mais c'est qu'il s'énerve le petit. Il pousse une petite crise en le pauvre. Voilà, le pauvre chéri. C'est un mouvement d'exécution pour lui. Là, il y en a trois, on va bien voir. Parmi les trois, il y en a bien un qui réussira à avoir une exécution. Ok, numéro 2. Ouh! Il essaie d'attaquer avec sa boule de pu. Tellement laid. Tellement dans ses pattes qu'il peut pas me toucher. Oh. Ah, il est mort. Oh, le pauvre. Il n'a plus qu'un alors. Il était tellement rapide le deuxième. Oui, exécution. Tiens. Son propre crochet enfoncé dans sa bouche. Waouh! Oh, la violence. La violence. Quelle imagination, surtout. Death. T'as beaucoup d'imagination quand il s'agit d'exécuter quelqu'un. J'aime bien ça chez toi. J'aime bien ça. Guerre était un petit peu moins imaginatif. Hein, un peu moins créatif là-dessus. Vachement bien. Moi, je dis que c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je me souviens de ça. Non, on n'active pas le... Comme si on pouvait ne pas l'activer. C'est... Voilà. Et voilà. Maintenant, on se mange le cul. On se mange le cul. Fonce. T'amuses sur les coins. Tu te laisses descendre. Tu vas sur le côté. Mange-toi le cul. Qui sait pas manier le cul. Ouais, je sais. Je sais. Allez, magne. Magne-toi, Death, fais pas chier. T'es juste. Allez, hop. Allez, hop. Non, il accélère. C'est buggé. C'est pas bon. Ah, il me compte bon. Bon. Très bien. Ok, super. À moi, je note ça. Ok. Et avant de continuer, hop là, on repasse par là. Avant de continuer, puisque là, ça va être une séquence un poil plus longue. Quitte à ce que cette vidéo-là soit un poil plus courte, je vous dis à la prochaine. Salut.